Une journée nationale de la Révolution marquée d'un cachet spécial ce 17 mai par la Fondation Mzé Laurent-Désiré Kabila et l'ASBEL Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Un accent particulier est mis sur la femme qui est la pièce maîtresse de chaque foyer et chaque famille, par vertu et par nature, y égard au rôle crucial que la femme joue dans l'épanouissement de la famille et le développement de la nation en général. Une action de solidarité en faveur de 5 ans. Kokolo, Seta, Kabila, Lufungula et Tchatchi. Les femmes des hommes servant sous le drapeau ont reçu des matériels de travail, des pagnes et kits sanitaires pour un environnement sain. Prenez-vous en charge et cette idéologie de Mzé Laurent-Désiré Kabila, raison de cette action poussée par Marie-Olive Lembe Kabila. Mzé Laurent-Désiré Kabila, merci. Nous, derrière votre idéologie qui consiste à prendre ses responsabilités en main et à croire en soi-même, en s'auto-prenant en charge. Comme vous nous l'avez dit, nous répétons après toi, et c'est resté pas seulement un slogan pour nous tous, peuple congolais, mais c'est resté pour nous comme une parole de la Bible. L'autonomisation de la femme et la lutte contre le coronavirus sont les stratégies dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, prônée par les deux structures sœurs que la ministre d'État, ministre en charge du genre famille et enfants, Béatrice Lomé-Attilité, compte accompagner. Je voudrais féliciter ce partenariat entre la Fondation Mzé Laurent-Désiré Kabila et l'initiative Plus Olive Lembe Kabila, qui a vu juste en dirigeant son action vers les familles des policiers et des militaires en ces moments critiques où notre pays, à l'instar des autres nations du monde, fait face à la pandémie due au Covid-19 et vous pouvez donc compter sur mon accompagnement. Très heureux, le ministre de la Défense nationale a remercié la Fondation Mzé Laurent-Désiré Kabila et l'ASBEL Initiative Plus Olive Lembe Kabila pour cette action tournée vers les hommes en uniforme.